Hey, 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 cucu mes petits culs, et bienvenue pour ce nouvel épisode du Decades Challenge. Et on a notre ami, notre très cher Jojo, qui est revenu cette nuit d'entre les morts pour s'énerver. Là, elle est toute bouillante. Oh, on a l'intérieur d'elle, mais. Ouh, une tête volante! Quelle horreur! Mais elle est vénère là. Elle est grave vénère, je sais pas trop ce qui lui prend, mais elle est vénère de plus être en vie, je sais pas. Mais c'est drôle comme les fantômes paraissent jeunes en fait. Alors qu'elle, bon, elle était vieille, hein, regardez-la. Enfin, on la reconnaît pas trop, mais elle paraît pas vieille en tout cas. En tout cas, voilà! Jojo est venu nous rendre visite. Oh! Mais si, mais si, mais si, notre major. Qu'est-ce qu'il fait? Notre majordome, je pense, j'allais dire, il fait la linge, mais. Je sais pas ce qu'il nous fait là. Il nous met quoi? Le linge tout mouillé dans la panière à linge? C'est une blague? Non mais, et vous allez pas me dire que. Franchement. Vous avez un majordome qui fait ça, vous voulez le garder, vous? Moi, ça sert à rien, le majordome. Hein. Ils font que de la merde, ils font que des conneries. Ah tiens, il y a un chiotte qui est cassé. Ah bah au moins il le répare, c'est au moins ça. Mais non, là, il fait nawak, quoi. Je sais pas ce qu'il a foutu. On dirait qu'il a fait une lessive. Il en a foutu partout. Oh, mais non, Jo, tu es avec ton fils maintenant. Ne sois pas triste. Et, bah, on sait pas. Bah, je sais pas ce qu'il a foutu. Là, honnêtement, je sais pas. Donc, c'est majordome qui sert pas à grand-chose. Il y a un truc cassé. La maison, elle est cassée. Il la répare pas. Ok, je sais même pas où il est, là. Il est encore aux toilettes en train de réparer? Non. Je ne sais pas où il est. Qu'est-ce que. Tu vas remettre la poubelle, hein? Ah oui. Oh, punaise. Et toi, t'arrives à prendre le sachet? D'accord. Oui. Allez. Hop, ok. T'as encore plein de taf à faire, mon gars. Il y a énormément de choses que tu fais pas, là. Donc, active-toi. Oh, Jojo, ton lit te manque? Qu'est-ce que tu vas faire? Tu pleures? Tu pleures dans le lit à côté de ta fille. D'accord. Mais tu peux lui dire au revoir à ta fille, parce qu'aujourd'hui, c'est sûr, elle déménage. Et elle va rejoindre Paul Alan, puisque bah, elle est enceinte de lui. Donc, elle va partir, quoi. Oula! D'accord, elle va hanter la baignoire. Ok, très bien, Jojo, si tu le veux, si tu. Non. C'est du nawak, là. Je sais pas pourquoi, mais il y a encore une baignoire de pété. Il y a le majordome qui répare, mais il y a toujours la linge qui goûte. T'as Marcel qui réveille les parents. T'as elle qui est dans un état pas possible. En plus, elle n'a pas réalisé sa résolution. Donc tu sais quoi, tu vas aller courir après. Bah ouais, non mais nous, moi je veux réussir ta résolution. Voilà, c'est comme ça. Mais après, je veux pas que tu sois aussi fat que Jojo parce que. Ah! Bah, il est 6h30 du matin, qu'est-ce que tu fais debout? Oh là 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 là. Bon bah écoutez, si elle se sent bien comme ça. Et là elle fait. Oh! Ça c'est ma mère qui pue. Tout va bien quoi. Eh, je te jure, hein. Les Sims, il faut les pousser, hein. C'est-à-dire que là, elle voulait pas, donc elle court avec son parapluie. Mais non, non, tu cours, faut que tu perdes du poids. Hein, il reste pas beaucoup de temps, tu pourras dormir après si tu veux. Allez. Le majordome, il est parti réparer maintenant la baignoire du haut que Jojo a la hantée. Donc en fait, c'est Jojo qui a tout cassé. Super! On avait Arthur et Pierre-Nard qui étaient des fantômes parfaits parce qu'ils ne faisaient rien. Et à la limite, Pierre-Nard, il faisait le ménage, donc c'était parfait. Jojo, il pète tout. Donc je pense que Jojo, on va pas la garder en fantôme longtemps. Hein. On va garder les autres à la limite, mais elle va vite dégager, moi je vous le dis. Hein. Ah, fichtre! Alors elle courait partout là. Ouais, il pleut! Trop bien! Bah oui, mais non, mais tu sais, ma cocotte, il pleuvra tous les jours. Qu'est-ce que tu fais? Non, oh, hé, hey, tu te calmes, qu'est-ce qu'elle a avec son verre d'eau, sa bouffe et tout, t'as même pas faim. T'es nickel, j'ai rien à te faire faire en plus, donc là, non, les devoirs, tu les as déjà faits, non, j'ai rien à te faire faire, ma cocotte, donc bon, tu vas modeler de l'argile. Ah, mais attendez, elle a un truc créatif, et ben on va monter son skills en créativité.
Tu vas ici, tu vas débarrasser la feuille et puis tu vas. Bon, tu vas débarrasser la feuille. Irène a très faim! Ah oh bah, c'est dommage. Oh, puis elle pue sa mère, hein. Oh là 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 là! Tu vas venir ici, Irène. Allez, dépêche-toi. On va ouvrir le frigal pour te donner à manger. Hop, tu prendras une portion. Ce sera au moins ça de fait. Tu ne mourras pas de faim tout de suite. Et puis dès que maman elle s'est remise de ses émotions de saut de jogging, eh bien, tu pourras aussi de lui demander un pain. Oh, il faut que je vous montre le relooking de Gisèle. Gisèle qui est donc devenue enfant à l'épisode dernier. Et comme j'avais pris des codes couleur rose pour elle quand elle était bambine, j'ai laissé les codes couleur rose en étant enfant. De toute façon, on verra, hein, les adolescentes changeront plus ou moins. Donc, voilà. Et je confirme qu'elle a bien les yeux de son daddy, et peut-être aussi le nez et la bouche. Donc en fait, elle va ressembler vachement plus à Albert que les autres. Donc là, elle a l'air toute mignonne, quoi. Hé, mais regardez un peu, sur la table d'activité, on pouvait toujours dessiner, d'un seul coup, on peut faire d'autres choses. Fabriquer des objets de printemps. Fabriquer des objets de fête, jardinage, 12 coups de minuit, grand repas, gnome, fête, fleurs. What? Tu vas faire des fleurs? Ah non, mais là, je découvre. Je découvre, je sais pas, j'ai... Voilà. Bah écoutez, on va voir ce que ça donne, hein. C'est peut-être que vous n'avez pas encore vu non plus, mais moi là... Je crois que c'est la première fois que je vois ça. Oh là 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 là. Faut que tu retrouves la forme. Tu vas repousser tes limites. Mais dépêche-toi, Marguerite. Tu manges et tu vas courir après. À un moment donné, tu me casses les pieds. Hein. Elle mange. Elle a toujours besoin de divertissement et de se laver. Donc je vais lui faire revenir après Paul Alan. Comme ça, ils pourront s'éclater dans le lit. Et ce sera bien aussi. Comme ça, elle déménagera. Oh non, Marcel! Oh non, Marcel crie. Albert! Albert, tu vas t'en occuper parce que là, il n'y a personne qui peut le faire. Vu que lui, il a l'interdiction, mais lui, ça fait, il n'a pas dormi depuis qu'il est arrivé à la maison. Hein. Il n'a rien pu faire. Il a fait que de la merde en plus, donc bon, c'est pas GG. Toi, ma petite. Mais non, mais laisse ce putain de cheval! Je suis pas sûre que le majordome soit une bonne idée, les gens. Je pense pas, hein, et je vais le virer. Hein, parce que là, vous voyez, je peux même pas prendre le jouet. C'est-à-dire que si elle a pas de jouet sur elle, elle a une carotte. Tu parles. Bah tiens, tu vas faire tes devoirs. Allez. Tu vas faire quelque chose, hein, au moins de ta vie. Elle a besoin de prendre son bain, là. Sauf que maman, elle est repartie courir parce que sinon, elle réussit pas sa résolution. Je vous jure, c'est compliqué. Tu vas lui proposer un bain. Oh, mais Albert, tu es le daddy parfait. Oh, et Albert est daddy parfait. Je l'aime, moi, Albert. Oh là 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 là. Je l'aime beaucoup trop. Il en a vécu des choses, Albert. C'est le plus beau des papas. Bon, et aujourd'hui, Marcel va grandir. On croise les doigts que ce soit un petit blond, hein. Oh là 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 là. Il reste moins d'une heure. Non, pas créer des mots interdits, mais non. Courir! Retourne courir! Retourne courir, Marguerite! Allez! Casse les pieds, toi! Va courir! Faut retrouver la forme! Tu vas tenir le cap! Je sais pas à combien ils vont valider, mais bon, si après elle a pas réussi, bah elle a pas réussi, hein, qu'est-ce que je vous dise, moi? Oh, on a un pirate! Mais c'est quoi ça? Pourquoi t'as mis en pirate, monsieur? C'est qui? Karl Crawford, non mais franchement, le gars, il est en pirate dans la rue avec un parapluie. Tout est logique, tout est logique, voyons. Bah alors, Paul Alan, tu te crois où? Tu te crois où? Qu'est-ce qu'elle lui demande? Parce que je voudrais pas me... Ouais, illumine la journée. Tu viens nous faire des bébés? Bon, de toute façon, elle est déjà enceinte, mais demander en mariage. Bah non, c'est bon, tu t'es déjà pris un vent, j'ai pas envie d'avoir un deuxième vent. Donc... Voilà, des mamours, tout ça. Vous faites crac-crac. Voilà, essayez de faire un nouveau pirate, c'est trop. Faire cric-cric! Partager le même quai? C'est quoi partager le même quai? Qu'est-ce que c'est que ça? Mais non! C'est trop drôle! Demandez de faire tanguer le bateau! Aussi! Devant les enfants en plus.
Qu'est-ce que... Non, mais c'est trop drôle. À embrasser, demander de faire tanguer le bateau. Non, mais c'est tellement drôle, là. Ah, bah voilà, Gisèle, elle aime pas. Bah, elle non plus, elle aime pas. Oh! Débarrasse! Arrête! Débarrasse ton dessin et fais-nous des trucs, là. Quand je t'ai demandé de faire, t'as tout enlevé, là. Oh. Débarrasse! Ok, on va faire printemps et fleurs, voilà. Je veux voir ce que ça donne. Bon, vous allez faire tanguer le bateau? Comment ça fonctionne? Faire cric-cric. Allez, on va faire cric-cric au lieu de faire crac-crac. Mais pourquoi tout le monde se fout dans cette pièce? C'est le nouveau, nouvel endroit à la mode ou quoi? Bon, elle. Elle, je crois qu'elle a raté son truc. Hein. T'es trop nulle, Marguerite. T'es beaucoup trop nulle. Allez, voilà, ils font cric-cric. Cric-cric. En même temps, ça fait cric-crac dans le lit, hein. C'est... Oh, Jojo, elle a envoyé un message. On a vu rapidement Louise apparaître. Oh, oups, elle s'est pris un coup de pied dans la tête, quand même. Ah, le divertissement remonte. On est bien, hein. C'est bien. C'est bien, Germaine. Voilà. Tu t'éclates, c'est cool. Bon, allez, ma grande. It is time now, ma petite. Comment elle s'appelle? Germaine. Il y a trop de noms dans ma tête, je ne sais plus. Tu vas embrasser la joue, tu vas embrasser les mains et vous allez vivre ensemble. Il est temps, je pense, maintenant. Que tu déménages. Oui, je sais, t'as la gerbe. C'est normal, ma grande. Pour l'enfant de. Comment ça s'appelle? De Louise et de Jacques, la petite Marina. Elle est blonde, voilà. Je l'ai vue dans... avant de commencer la partie. Elle est blonde, donc les gènes ont été vaincus. Le gène roux a disparu. Wouhou! Alors, hop, on va faire là et nous, on se retrouve qu'à 6 contre notre propre petite famille. C'est cool! Oh là là. Oh là là, ce n'est pas ton enfant. Alors, Germaine, elle a dû dégager vite fait, bien fait. Et bien sûr, Paul-Alan, lui, reste à la maison. Tranquillou-bilou, comme si de rien n'était. Par contre, toi, là, majordome de mon cul, là, c'est Albert qui est obligé de refaire la maison pendant que tu lis. Non, mais la blague. Il a pas que ça à foutre, Albert, hein. Non, non, tu vas jouer un peu, Albert. Tu vas jouer la sérénade. Ah oui, non, tu joues. Non, tu vas pas jouer la sérénade. Tu vas t'entraîner tout simplement. On va te remonter un peu le moral. En plus, tu vas étaffer. Toi, tu t'occupes de Marcel. C'est parfait. Tu vas dire à Paul Alan qu'il peut partir. Tu vois, tu vas lui miner la journée et tu vas lui demander de partir parce que maintenant, Germaine est partie et va vivre sa vie dans son coin. Et ça, c'est cool. Bon, et toi, au lieu de faire des recherches, vends tout. Voilà. Faut que tu... Ah tiens, tu peux faire évoluer. Et tu vas tout vendre aussi ici. Et tout vendre là. Voilà. Est-ce qu'il n'y a que ça? Non, il n'y a que ça à faire... Ah, il y a là aussi à faire évoluer. On arrive, hein? Elles sont magnifiques, les jacinthes. Mais elle arrête avec son parapluie ou quoi? Parfaite. La super vente, on n'y est pas encore. C'est pour le niveau 8. D'accord. Sauf qu'elle n'y est pas au niveau 8. Elle va nous tomber dans les pommes. Tu vas aller faire un... Tu vas aller dormir après. Tu vas aller te reposer un petit peu. Je fais ça. Ce sera déjà pas mal. Mais tu m'énerves avec ton parapluie. Oh, c'est pas possible. Je vous rappelle qu'il n'y a même pas de truc de parapluie dans la maison. Donc je comprends pas pourquoi, à chaque fois, ils sortent les parapluies. C'est pas logique. Il n'y a aucune logique. Oh, tu me casses les pieds. Va dormir. Tu m'énerves. Allez, Albert. Bon boulot. Amuse-toi bien, ramène-nous de l'argent. Et son parapluie. Il m'agace tous. Alors, ça c'est son truc de printemps. Oh, c'est super cute! Oh non! Quand même, tu vas nous faire un truc bricolage des fêtes fleurs alors? Non, mais c'est super si on peut faire ça avec la table d'activité. Attendez, je vais mettre les murs. Je vais le mettre dans sa chambre comme ça. C'est hyper mignon! Mais pourquoi je n'arrive pas à me diriger?
Ah, c'est super chou. Voilà, Simone et tout. Non, franchement, petite surprise agréable pour cette table d'activité. Et là, elle va nous faire des trucs fleurs. On verra bien ce que ça donne, hein. Voleur de scène. Albert est au milieu de sa prestation en première partie d'un groupe lorsque le bassiste du groupe arrive et lui vole la vedette. Il en est à son troisième solo de 8 minutes. Il le retourne. Albert doit-il l'interrompre ou jouer avec lui pour ne pas gâcher le concert? Attends, jouer avec le bassiste. Je pense que c'est mieux. Quelle performance, petit. Bah ouais, c'est mieux quand même. Sinon, tu gâches un peu le plaisir à tout le monde, quoi. Oh, on n'a vraiment aucun moment de calme. Marcel s'est remis à gueuler. Bon, Marcel, il est temps que tu grandisses, là. Tu me casses les pieds. Hein? Et pas qu'à toi. Oh non, Simone, viens pas ramener ton cul. Ah, c'est bon, c'est pas ce qu'elle voulait faire. Ok, non, Simone, tu peux manger. Oh là là, mon Dieu. Manger, 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 Simone. Mais Marguerite, elle peut pas. Elle peut rien faire. C'est pire que... Oh, elle est chiante, hein, mais elle est pire que Jo... C'est pire que Jojo. Jojo, elle... enfin, je sais plus. Mais la mère de famille, quoi, elle peut vraiment rien faire. C'est l'angoisse. Mon Dieu! Elle avait disparu! Mais what the fuck? Oh là là, t'es dans un état, ma pauvre. Voilà, occupe-toi de ton petit, et puis après, t'auras la paix, il va moins nous emmerder, et puis une fois qu'il sera bambin, ce sera déjà mieux. Faut bien penser à soi de temps en temps. Elle sape un bain aux pétales de rose et se noie dans son bain. Mais qu'est-ce qu'elle est con. Ah la vache. Mais t'es bête, Marguerite, mais tu es bête. Ok, elle va vraiment finir par mourir. Est-ce qu'on peut mourir noyée dans sa propre baignoire? Je ne sais pas encore, mais ce serait rigolo. Bon, bah, du coup, elle n'a pas profité vraiment de son bain. Va lire quelque chose. Occupe-toi. Occupe-toi. Et alors là, elle nous a fait. Oh, c'est mignon. Oh non, franchement, vous croyez quoi? Regardez, vous mettez ça dans les chambres et tout. C'est super cute en fait. Je savais pas, mais je savais trop. Oh, là, bah voilà, on a les deux œuvres, les nouveautés pour moi, en tout cas sur la table d'activité, que je n'avais aucune idée que c'était là. Donc vraiment, c'est la surprise du jour, quoi. En tout cas, c'est trop. Mignon. Bon, ben voilà comment Marguerite préfère s'occuper son temps. Et en tout cas, le divertissement, ça la remonte. Hein. Mais elle a quoi comme trait de caractère? Mais je comprends pas pourquoi la maison de poupée, ça la remonte autant, quoi. Mais bon, tant que ça la remonte leur morale, on est bien. J'ai l'impression qu'il a rien foutu de sa journée à part bouquiner celui-là. Ah, mais quel gland! Oh, en tout cas, oh non, mais ça c'est vrai, j'en peux plus. Bon, elle va pas te coucher tout de suite, va pas te coucher tout de suite. Ok, super, ça fait juste de la lessive en plus. J'en peux plus de Marguerite, j'en peux plus des Sims. Pique un roupillon pendant qu'il fait à bouffer. Mais il le fait pas à bouffer, mais... J'en ai marre. Eh, sérieusement, après là, à quel point c'est inutile un majordome? Regardez! Il fout rien! Alors, il devrait réparer normalement. Arrêtez de. Alors, on va arrêter. J'en ai marre, il fout rien. Responsabilité. Commencez à réparer les objets. Ça, c'est cassé, hein. C'est juste à côté de lui, hein. Monsieur, il a faim. Bah oui, mais t'es pas foutu de faire un repas. Non mais. Le majordome de la mort, quoi, vraiment. Oh merde! Albert est revenu, j'ai même pas fait gaffe. Mais non, mais Albert, ça fait de la lessive! Punaise, j'en peux plus. Ils me font chier, ces Sims. Et l'autre glandule, là! Elle est partie se coucher alors qu'elle a pas fini de faire à bouffer! Non mais là, j'en ai marre! Ah, mais où est-ce qu'elle est cassée? Mais espèce de débile de... Oh, j'en ai ras le cul. Mais fais à manger, fais quelque chose, bouffonne, et toi, après tu manges, tu fais quelque chose aussi. Puisque le majordome, il sert à rien. Bon sang de bonsoir. Voilà, hein, ça sert bien, majordome. Hein. Alors, vous inquiétez pas, je viens de le déboguer, ça ne fonctionne pas. C'est de la merde. Ah bah non. Ah bah voilà. Ah bah non, c'est 2 jours qu'il a pas dormi, donc voilà. Merci. Comment il t'appelle déjà? Naoki? Ouais, ben, je pense qu'il va pas faire long feu dans la maison. Hein. Je vais le virer parce que c'est pas possible. Elle, ça y est, elle est à peu près en état, elle va plus aller se coucher.
Albert, ben tu répares, tu manges et tu vas dormir aussi parce que... Oh, c'est qui? Excusez-moi. C'est Pierre-Nard. Oh, Pierre-Nard, il va faire des choses sympas dans la maison. Du moins, je sais pas. Qu'est-ce qui... Oh, un fantôme. Barre-toi. Qu'est-ce que... Mais non, mais... Je vais... Mais on t'a dit de pas t'occuper des gosses. J'en peux plus. Mais regardez! Gestion! Non, attendez. Responsabilité. Il peut pas! Il n'a pas le droit! Oh! Ah non, mais là, c'est pas possible! Fous le camp de chez moi! Fous le camp de chez moi! Qu'est-ce qu'il veut, lui? Qu'est-ce que tu as, le... Si c'est dégueulasse, c'est ton problème, c'est à toi de nettoyer, hein? Ah non, non, mais quand je vous dis que les... que ça va pas, les majordomes, c'est que ça va pas. En tout cas, moi, j'ai pas de bol. Allez, Albert, va te coucher, hein? On va s'arrêter là pour cet épisode. Alors, il était censé grandir, Marcel. La preuve. Et puis là, c'est cassé. Oh, j'en ai marre. Bref. Allez, nous, on va se laisser là pour cet épisode. J'espère en tout cas qu'il vous aura plu. Le majordome, je pense que je vais le jarter et je vais pas en reprendre parce que c'est le bordel. Moi, je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt pour le reste du DK, la suite du DK Challenge. Ou d'autres choses. Allez, salut!